Arratsaldeon, ongi etorri guzti guztioi, bonsoir jatuz, eta mundura zabaldu dugu beste behin aurten ere gutun zuria. Bilboko letren... Soyez les bienvenus à une nouvelle édition de Gutun Zuria. Gutun Zuria, le festival de la littérature des lettres de Bilbao. Impossible de savoir combien d'auteurs ont passé par le festival. Nous avons des participants de toutes sortes. Lire implique toujours de la culture et va nous mener aussi à la réflexion et à d'autres disciplines et à connaître bien d'autres concepts. Et on continue d'écrire la carte blanche. Voilà, Gutun Zuria. Tout d'abord, on apprend à lire. Et ensuite, on lit pour apprendre. Et aujourd'hui, on parle du langage oral avec Ahmet Arsayus, qui est un écrivain et un poète basque, un bertsolari. Nous avons aussi Ibrahim Abalde en conversation, en dialogue avec Goizalde Landabasso. Ibrahim Abalde, il a commencé son voyage en Guinée. Et aujourd'hui, nous avons partagé avec vous tous les grands titres lus par rapport à cet auteur. Les lettres vont au-delà des livres, nous avons toujours dit ça au Gutun Zuria, et la traversée arrive aujourd'hui jusqu'à nos cœurs, donc parlons des murs et des traversées. Arratsaldeon. Gaur bon après-midi. Quelque chose de très curieux m'est arrivé aujourd'hui avec ces livres. C'est nos vies sont vécues par des petites postes, et ce matin, le livre Mignonne, que sans doute vous avez lu ou vous l'avez au moins vu. Donc ce matin, j'avais le livre dans mes mains et j'ai un collègue qui est jeune et qui est à la fac. Il a regardé le livre et il m'a dit, moi je l'ai lu déjà. Donc, j'ai regardé cette fille surprenante parce que normalement les jeunes, ils ne lisent pas, ou tout au moins c'est ce qu'on dit, et encore moins en basque. Alors j'ai demandé, est-ce que tu as lu vraiment le livre? Elle m'a dit, oui, j'ai lu ça une nuit. J'ai commencé et voilà, sans arrêt, j'ai tout lu. Et donc, je ne sais pas si c'est dû à la pandémie ou quoi, mais vraiment, ça m'a fait être très, très contente. Et je pense qu'un monde meilleur va éventuellement arriver avec les gens qui maintenant lisent. Donc voilà. Je ne veux pas faire un spoiler du livre. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou non. Mais je suis sûre que vous allez, après ces dialogues, encore profiter davantage de la lecture de ces livres. Aujourd'hui, nous allons donc connaître deux histoires avec deux noms et deux prénoms. Si vous avez lu ces livres, vous devez savoir quelle histoire est l'histoire d'Ibrahim Baldé, et que Ahmet Arsayus a été un peu l'intermédiaire, le pont entre l'histoire d'Ibrahim et la sienne, entre le rôle, le papier et l'histoire. Donc un pont entre Ibrahim et nous. Sans doute, il y a beaucoup d'histoires comme celle d'Ibrahim, lorsqu'on voit sur le média qu'un nombre X de migrants ont été sauvés de la mer, on trouve ça terrible, mais on ne voit pas leur nom. Et donc,
C'est comme voilà, on passe à la nouvelle suivante. Et donc, voilà, on oublie que des gens étaient là dans la mer et on reprend nos vies. Mais lorsque on voit ces gens avec leur nom propre, leur nom de famille, alors on s'arrête. Je pense que le livre Mignon a fait ça au moins. C'est ce que j'ai éprouvé, moi. Et là, maintenant, nous allons écouter Ametch et Ibrahima qui vont nous faire part d'une histoire transversale qui est liée à ces livres. Et ensuite, si vous avez des questions, veuillez aussi intervenir vers la fin. Ibrahima Baldé et Ametch Arsayous, bon, soyez les bienvenus. Vous avez la parole. Moi, je veux commencer. Avec la conversation qu'il y a derrière ces livres. Plutôt que de faire un discours par rapport à ce livre, il vaut mieux qu'on explique les histoires qu'il y a derrière le livre. Donc, j'allais aider Ibrahima dans son schéma pour qu'ensuite il puisse aller voir les gendarmes. Et donc, voilà, sa façon de parler, dès qu'on a commencé à parler, vraiment m'a surprise. Et moi, j'ai vu qu'il y avait une histoire intéressante derrière. C'est quelqu'un qui arrive jusqu'à un petit coin de l'Europe. C'est très intéressant parce qu'ensuite, un certain temps s'est écoulé et c'est intéressant de voir comment son histoire s'est poursuivie jusqu'à l'heure actuelle. Le livre finit sur la Méditerranée. Ensuite, il est arrivé en Almeria. Je pense qu'il a passé 2-3 jours en Almeria. Moi, j'aimerais vous demander, après Almeria, comment est-ce que vous avez poursuivi avec votre histoire depuis l'Almeria jusqu'au Pays Basque? Comment est-ce que vous êtes arrivé au Pays Basque? Quel en a été votre parcours? Octobre 2018. En fait, arrivé à Almeria, j'ai passé 3 jours. Après Almeria, on était venu à Cadiz. Je passais là-bas, je pense, une semaine et quelques. Après Cadiz, on était venu directement à Bilbao. Ici, j'étais beaucoup malade derrière, mais c'est ici que ça avait recommencé encore de plus. Le Croix-Rouge m'avait envoyé à un hôpital, le grand hôpital qui se trouve de Trace de San Francisco. C'est là-bas que j'étais toute la journée. Le soir, ils m'ont renvoyé dans l'auberge où on passait la nuit, nous les immigrants. Je passais là-bas la nuit, le matin encore, je me suis retourné à l'hôpital avec le Croix-Rouge. Après, ils m'ont donné un peu de médicaments. Ils m'ont dit, l'endroit où je veux rester stable, je dois faire une opération. Mais moi, je ne savais pas qu'est-ce que je dois faire. Parce que ça me perturbait beaucoup, beaucoup. En fait, les gens que j'étais à côté, les immigrants comme moi, que j'ai connus à Cadiz, il y a des autres qui ont connu depuis à Maroc, ils voudraient passer devant. Moi, j'ai personne, moi aussi, je ne veux pas rester ici, je voudrais aller avec eux. En fait, on était pris ici le bus le soir pour aller à Irun pour traverser le frontière. Il y en avait déjà là-bas qui nous expliquaient au gare comment partir pour traverser le frontière. Mais bon, nous tous, on ne savait pas parce qu'on était 4 personnes. On était partis jusqu'à Irun la nuit. Je pense que c'était 3 heures comme ça ou 2 heures qu'on avait traversé le frontière. On avait marché là-bas jusqu'à 3h30 comme ça. La police nous a rencontré 2 personnes, moi avec un autre, l'autre là était parti, les deux. Andaye, non? C'est Andaye, ça? Oui, ça c'est Indaya, parce qu'on avait traversé la frontière, maintenant on est le parti de France. Il nous a gardés là-bas jusqu'à le matin vers
4h, 5h, ils ont écrit une petite note. Il nous a dit qu'on n'a pas le droit de traverser, on doit rester de l'autre côté. Mais moi, j'étais content parce qu'ils ne m'ont pas frappé, rien du tout. On était retourné, en fait. On a rencontré des gens de l'association qui étaient à Irun, qui nous a aidés, envoyés à l'Ayuntamiento de Irun, nous donner du café parce qu'il y en avait beaucoup de froid. Bon. Est-ce que tu te rappelles, Ibrahima, oroitzen zara, Ibrahima, gu ezagutu gineneko egunaz, zu kontatzen duzun egun horitan ikusteudan? Par rapport au jour où nous sommes connus, je pense que c'était deux jours après. Vous aviez traversé en Hendaye, vous avez été retourné en Hendaye. Je pense que vous avez passé deux jours en Hendaye, c'est alors qu'on s'est connus. Est-ce que vous vous souvenez de ce matin-là, lorsque nous nous sommes rencontrés? Perfectement. Je me raccorde de Stadia. Je me rappelle de ces jours-là. J'étais parti avec un ami de Cameroun au gare routière de Irun pour chercher un wifi pour essayer de communiquer avec notre famille. Moi, je n'avais pas le téléphone, mais lui, il l'avait. On était... Non, ça avait déjà passé deux jours à Metz. Parce que je passais trois jours au centre de Croix-Rouge avant de venir dormir à l'hôpital. C'est là-bas que j'ai rencontré Moulou. Elle avait proposé de me passer son téléphone pour que je puisse communiquer avec ma famille. Elle m'avait dit qu'au gare, il y avait de wifi. On avait proposé la nuit, le matin, bonheur pour aller là-bas. C'est là-bas que je t'ai rencontré la première fois. Et puis, dans Liburuan, kontatzen du pixkat Afrikako zeharkaldia, Afrikako... Et donc, les difficultés de la traversée en Afrique sont racontées dans le livre. Combien de difficultés avez-vous retrouvées en Europe? Comment est-ce que cette aventure en Europe, vous la vivez en ces moments? Europe, j'essaie de m'apprendre la vie d'ici, parce que moi, je ne savais pas. Premièrement, moi, je me sens bien, parce qu'ici, personne ne me frappe ni m'insulte. C'est mieux que où j'étais avant. C'est pas même de la même salutation. Mais bon. Eta zein da zure egoera momentu hontan, Ibrahima, edo paperen aldetik, lan aldetik, zein da zure egoera? Et quelle est ta situation en ce moment? Vous avez de papier, vous avez un travail? Oui, j'ai un endroit où je suis en train de me débrouiller de la mécanique. J'ai passé là-bas à peu près un an, six mois comme ça. Je suis avec ce chef qui m'aide beaucoup. Il a accepté de m'accueillir dans son garage, de me faire apprendre un métier pour me faire vivre, moi, avec ma famille. Je suis très content et heureux. Et ta gouk, el karrizketen bidea chigenouen sou... Lors de votre demande d'asile, que s'est-il passé? Vous avez fait une requête. Que s'est-il passé avec votre requête demande d'asile? Et j'avais demandé l'asile. Ça, c'était même c'est au Pays Basque ici, à Saint-Sébastien. Le CR m'avait envoyé à Oñati. Je passais là-bas six mois. C'est eux qui m'avaient envoyé à Madrid. Depuis que je suis parti à Madrid, ils m'ont écrit dans un centre où je peux passer un peu de temps, deux heures ou une heure et demie pour étudier tous les jours, pour savoir la langue quand même. Bon, moi, c'était ma première fois d'étudier une langue quand même, mais bon, je me suis encouragé pour savoir communiquer avec des gens.
fil à mesure, comme ils ont vu que je pourrais communiquer avec des gens, ils m'ont dit de faire une course, ce que je voudrais faire. Moi, je l'ai dit que c'est le camion que je connais, c'est ce que je voudrais faire, la mécanique. Ça passe un peu de temps, après j'ai rencontré un endroit où je peux faire le curso. Ils m'ont écrit, je fais le curso là-bas 6 mois. À travers de Ahmed, le chef m'avait beaucoup aidé encore parce qu'il connaît Ahmed. Vraiment, c'était bien passé. Et puis, asiloarekin, ze gertatu da zeren? Et avec l'asile, qu'est-ce s'est-il passé? Parce que les polices ne me connaissaient pas. La police ne savait pas. Mais bon, moi, le résultat, ils m'ont donné négatif. Que je n'ai pas le droit de rester en Espagne. Je dois sortir ici. Je pense que c'était 15 jours qu'ils m'avaient donné. Mais bon, ils m'avaient dit encore que dans 2 mois, je pense, ou 3 mois, je peux faire une recours de l'asile avec un autre avocat. Je suis en contact avec ce avocat, mais ça fait un peu longtemps que je n'ai pas parlé avec lui. Mais je suis actuellement en train de faire le recours actuellement. Peut-être ça fait 9 mois ou une année depuis que je fais le recours, mais je n'ai pas reçu d'abord de résultats ni rien. Je suis à l'attente. Nainuke Ibrahima orain pixkat nik zu hizketan entzun ta sentitu nuena zure historia. Lorsque vous m'avez raconté votre histoire, je me suis rendu compte que même si vous ne saviez pas lire ou écrire, vous aviez une capacité à l'oral qui voulait dire qu'il y avait de la littérature chez vous, dans votre intérieur. Donc ma question est la suivante. Depuis votre enfance, votre jeunesse et puis votre culture, vous avez appris toute seule, par vos propres moyens, ou vous avez hérité ça de votre mère ou de votre père, cette capacité pour vous exprimer à l'oral? Moi, je pense que j'ai appris ça avec mon père. Parce que moi, mon père m'expliquait des choses tranquillement. Mais elle s'énervait beaucoup, ça je le sais. Mais moi, je faisais toujours attention avec mon père. Parce que s'il me frappe, il n'y a pas un autre qui va m'aider, ni un autre que je vais me plaigner, rien du tout. Je portais toujours attention avec mon père. Je le connais encore plus que ma mère. Parce que je n'ai pas passé beaucoup de temps avec ma mère, même chose que mon père. Mais bon, moi je pense avec mon père que j'ai appris beaucoup de choses. Parce que nous, dans notre culture, les parents vont t'expliquer la mère avec le père, c'est un commencement de la vie. Il ne faut pas t'appuyer toujours sur eux. Tu dois t'appuyer un peu et les relâcher pour regarder où ce que tu vas faire et ce que tu veux faire. Moi, je pense que c'est mon père qui m'a donné tout. Et ta adibidez zure hizkuntza pularra. Lorsque vous parlez en français, vous pensez en français ou en poulard? Parfois, je mélange. Parce que, bon, français, j'ai étudié un peu. Mais le poulard, je n'ai jamais étudié. Ça, c'est comme le biberon pour moi. Je parle avec ma mère dans mon langue, beaucoup de gens. Il y a certains encore qui parlent mon langue, comme Ahmed actuellement. Ça m'attire beaucoup. Il faut respecter les gens comme ils sont. Ça, c'est très important pour moi. Et ta zure hizkuntza, Ibrahima, pularra, zuretzat,
zer da? Ze dimentsio du, ze... Donc, quelle est l'importance? Quelle est l'importance de cette langue maternelle pour vous? Ça représente beaucoup de choses pour moi. Vous savez, j'ai trouvé mon père dans cette langue, dans cette culture. Ma mère dit la même chose. Je pense, moi aussi, je dois m'adapter à ça quand même. Vous savez, j'ai étudié l'espagnol, j'ai étudié le français. Mais il y a beaucoup de langues que je savais parler que je n'ai jamais étudiées. Pour moi, ma langue est très importante, beaucoup. Nik Ibrahima ematen baldin badizut liburua, eskura. Je vous donne le livre. Je les mets dans votre main. Quand, lorsque vous prenez le livre, à quoi pensez-vous? Quelle est votre relation avec le livre? Ça, c'est ma vie. C'est ce que j'ai vécu. Vous savez, il y a certains qui ne savent pas ce qui se trouve dans ce livre. Mais moi, je sais, avant d'ouvrir cette livre, je sais ce qui se trouve dedans. Ça, c'est ma vie. Ce que je veux qui. Et ce que je fais. Et ce que j'ai vu. Et ce que j'ai envie. C'est ce qui se trouve dans cette livre. Vous savez, pour moi, ma famille est le plus important. Comme mon père encore. On était le plus important pour lui. C'était la première personne qui était décédée dans mes bras à l'âge de 13 ans. Mais bon, ça n'a rien changé. Parce qu'il me parlait toujours avant de 7 jours que le mère et le père, c'est un commencement de la vie. C'est en ce moment que je me suis ressenti ce qu'il disait. Mais bon. Zuk, Ibrahima, nik hasieran hasi lorako prozesu. C'est ainsi que nous avons commencé avec le livre. On n'avait pas pensé à un livre. Mais en parlant, on s'est dit, voilà, on va écrire un livre. Nous avons aussi parlé d'un bon nombre d'autres choses. Donc, dès que je te propose de faire quelque chose, tu dis toujours oui. Mais lorsque vous répondez oui, parfois, je pense qu'à l'intérieur, vous pensez non, mais vous n'osez pas me dire non. Ou lorsque vous dites oui, c'est toujours vraiment oui. Ou parfois, vous êtes en train de vous dire non, 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 mais vous dites oui, à moi. Oui, et ce que je ressens dans mon cœur, c'est un non. Vous savez, avant, je peux répondre oui, et ce que je ressens, c'est un non, parce que j'étais obligé. Mais ici, personne ne m'oblige. Vous savez, Ahmed, je l'ai connu dans une gare de métro, de train à Irun, un matin. Mais ce n'est pas 7 jours que Ahmed m'avait connu au profond comme actuellement où on est. Parce que, par exemple, ici actuellement en Europe, si quelqu'un me connaît beaucoup, beaucoup, ça va être lui. Il connaît ce que je vécu, il connaît comment je vis, il connaît comment est ma famille. Il ne m'oblige rien. Je réponds ce que je ressens. Bueno, guk segitu genezakego izaldea. Eta beste liburu bat iteko. On pourrait continuer. Et on pourrait même écrire un autre livre. On pourrait parler longuement et en écoutant Ibrahima. Mais je vous passe la parole.
pour que tu puisses nous poser des questions, pour moi ou pour Ibrahima. Bon, Ahmed, pour commencer, moi j'aimerais savoir, toi tu étais un peu les mains d'Ibrahima parce qu'il ne sait pas écrire pour l'instant. Donc est-ce qu'il y a eu un moment dans lequel vous avez un peu été les mains d'Ibrahima? Mais c'est écrit comme si le livre passait par votre main, mais ce n'était que l'histoire d'Ibrahima. Ça passe de sa voix à tes mains. Mais est-ce que vous êtes senti tenté, vous avez essayé ou avez eu besoin parfois d'écrire aussi quelque chose de votre propre cru? C'est un réflexe parfois lorsqu'on écrit, non? Ahmed dit que oui, lorsqu'on écrit, les phrases adoptent la forme de tes mains, un peu, c'est vrai. Moi, j'ai fait les entretiens avec Ibrahima pendant 2 mois et ensuite j'ai écrit ça complètement. Je l'ai mis sur le papier au complet et ensuite j'ai traduit ça en basque, mais j'ai entendu toujours sa voix. Mais évidemment, les phrases ont toujours un peu aussi de tes mains, de tes propres mains. J'ai passé 6-7 mois à donner forme à ce livre, donc à faire avec tous les entretiens un livre. Et ensuite, j'ai corrigé, j'ai relu, et ensuite, j'ai eu besoin aussi d'enlever des choses. Parce que parfois, je voyais qu'il y avait des phrases qui étaient un peu trop de mon cru, trop à moi plutôt qu'à lui. Et lorsqu'on établit un rapport avec une personne, et surtout avec quelqu'un qui a besoin de toi, de ton aide, alors il faut faire attention de montrer ce qu'il veut dire pour rester à un niveau qui soit, si on est au même niveau. Donc il faut faire que tes mains vraiment soient libres pour montrer ce qu'il dit, lui. Parce que sinon, toi, tu occupes trop d'espace. Et voilà, j'ai relu le livre et donc j'ai mis 2-3 mois à un peu effacer l'ombre de moi-même. Lorsque je relis, je sens encore qu'il y a un peu de moi, mais j'ai fait un exercice de moi pendant 2 mois pour écouter. Ibrahima a essayé de mettre ça sur papier. Et ensuite, s'il y avait quelque chose de moi, j'ai essayé de l'enlever un peu. Kontakizun soilia egiten dut, agero juizio gutxi. Ibrahima fait un récit qui est très plat et juge jamais. Et il fait bien parce qu'il s'exprime bien de cette forme si plate. Et ensuite, elle peut faire des commentaires par rapport à ce qu'il a ressenti. Et moi, j'ai parfois cette tentation de prendre ses commentaires à lui et lui donner une forme qui soit plus adéquate à ce que nous, on lit ici. Mais je pense que je ne devais pas être vraiment son tuteur au niveau politique. Je voulais plutôt montrer ça de façon plate, comme il fait, comme il parle. C'est sa voix, c'est sa vie à lui, et c'est ça qu'il faut raconter. Donc j'essayais de le laisser vraiment dans l'original, que ça garde son empreinte originale, pour qu'on ne perde pas sa force à lui. Je voudrais poser la suivante question à Ibrahima. Dans son livre, très souvent, il nous dit « Je ne sais pas comment je vais pouvoir oublier tout ceci. » Donc, j'aurais une question à lui poser par rapport à la mémoire. Parce que, en fin de compte, au travers de la mémoire ou voir lorsqu'on laissant de côté la mémoire, on oublie ce qu'il y a de bon, mais également ce qu'il y a de mauvais, mais également ce qu'il y a de bon. Excusez-moi.
que je te le dise. Oui. Elle te demande sur la relation avec ta mémoire, que tu dis souvent. Ouais. Moi, j'ai rapporté sur le livre que tu aimerais oublier ce que tu as vécu. Non, tu disais, est-ce qu'un jour tu pourras oublier tout ce que tu as dans ta mémoire? Je ne crois pas. Comment tu vis avec ta mémoire? Quelle est ta relation? C'est-à-dire, je vis très bien, mais sauf moi, ma force, c'est de penser et de réfléchir. Tu sais, ce qu'on dit, si tu as beaucoup de pieds, il faut regarder où tu vas mettre le pied. Parce que tu dois observer ce que tu fais. Moi, depuis à l'âge de 15 ans, je sentis que je suis irresponsable. C'est pour cela que tout ce que je fais, je pense derrière et devant. Parce que je sais, si moi je m'arrête, tout ce qui est derrière s'arrête. Si moi je marche, le derrière ça marche. Je pense toujours à ma famille. Mais bon, ce qui se passe est déjà passé. Mais bon, ça reste une histoire pour toi. Baina esaten zenuen askotan ahaztu nahiko nuke gogoan dudan guztia. Lortzen duzu. Très souvent tu as dit que tu voulais oublier. Est-ce que tu es capable d'oublier des choses ou est-ce que c'est impossible pour toi d'oublier? Je peux oublier parce que tu ne vas pas rester simplement de penser ce qui se passait. Tu dois vivre au présent pour essayer d'oublier ce qui se passait. Regarder notre vie sans la morale. Vous savez, actuellement, moi, je connais beaucoup de choses, plus que ma mère, parce que ma mère n'a jamais sorti dans mon pays. Mais avec sa conscience, on recherche beaucoup de choses à propos de cela. Mais pour moi, ce qui se passe, c'est pas facile à oublier, mais tu dois essayer de vivre au présent, non simplement au passé. Bueno, behar bada zuetako asko gogo. Beaucoup de ceux et celles qui sont ici, vous avez peut-être des questions à poser, aussi bien à Ibrahima mais à Ahmed. Je ne sais pas, je crois qu'il y a un micro-baladeur à votre disposition. Donc, voyons voir s'il y a des questions. Oui. Donc, il faut lever la main. Si quelqu'un lève la main, on va lui passer le micro pour les questions. Merci. Zuetako norbaitek ez du irakurri. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas lu le livre? Mais maintenant, je pense que vous allez lire le livre, n'est-ce pas? Après avoir entendu ce que nous avons dit, je peux poser les questions. On dirait qu'il y a des questions dans la salle. On dirait qu'il y a des questions là, devant. D'abord, bienvenue et que j'espère que ça va bien se passer. On est content de vous accueillir. Eta ametsi esangura nion, irakurri nebala liburua, izugarri gustatu. Et je voudrais dire à Ahmed qu'en effet, oui, j'ai lu le livre, je l'ai adoré. Il y a... Vous avez effectivement... su transmettre en cru ce qu'il pense, ce que Ibrahima pense, sans l'éditer. Vous avez été le transmetteur de son discours. J'ai beaucoup aimé le livre. Je ne sais pas si ça va être un livre qui va être beaucoup lu. Il est en basque, il est en euskera, mais nous devons prendre connaissance de ce qui se passe avec les migrants. Il ne faut pas simplement se pencher sur les chiffres, les statistiques.
Toutes mes félicitations. C'est un excellent livre et à Ibrahima, bienvenue. Merci. Oui, merci. Merci de ces éloges. Merci. En même temps, cela me permet de réfléchir. Et mon effort a été celui-ci. Je ne voulais pas être un tuteur moral ou politique, mais ce qui me tenait à cœur, c'était d'essayer de présenter cette histoire sans laisser trop de traces personnelles, c'est-à-dire mes traces à moi, et sans laisser trop de traces envers un objectif, car cette question, nous la connaissons, comme elle est présentée par les médias, à la télé. Très souvent, le récit est un récit qui se penche uniquement sur la douleur. Et cette douleur devient un spectacle. Cette douleur-spectacle va susciter une attention. Et moi, cette présentation sensationnaliste, quand on parle d'une douleur, moi, je ressens que l'on génère un spectacle, notamment, et nous sommes tous entourés de cela. Il est extrêmement difficile de se détacher de tout cela, de rester en dehors. Et ceci m'a soucié énormément. Quand j'ai écrit ce récit, je l'écrivais en basque. Il a peut-être pensé en poulard et après il s'est exprimé en français. C'est vrai que ceci peut-être a enlevé un petit peu de charge émotive. Et moi, ce que je voulais, c'est de le laisser froid au lieu de le laisser dans ce style froid. Parce que notamment, ces histoires sont racontées de cette façon que je viens de décrire. Et quand on les raconte comme ça, de façon sensationnaliste, on perd la dignité. Et ceci est assez négatif pour la personne, puisqu'en le faisant, nous n'avons pas une idée de la réalité et l'on n'arrive pas à apprécier la dignité de la personne. C'est pour ça que j'ai fait très attention, parce que ce style et son style oral m'a beaucoup aidé. Cette expression, ce récit m'a permis d'écrire, mais mon premier objectif, c'était je ne voulais pas présenter quelque chose de sensationnaliste, pas du tout. C'était pas ça ce que je voulais. Une autre question, je crois, derrière. Toute l'équipe qui a pu accompagner le frère. J'aimerais tout simplement poser quelques questions et par rapport à tout ce que vous avez traversé en tant que telle situation, depuis le chemin de chez toi jusqu'au là aujourd'hui, quelles conclusions vous avez pu tirer, la situation dans laquelle vous avez vécu et qu'est-ce que vous ferez pour voir par exemple un jour un de vos frères qui vient emprunter la même route que vous avez empruntée et la situation dans laquelle vous avez vécu jusqu'au là aujourd'hui, quelles leçons tirées de vous? Merci beaucoup pour votre question. Pour moi, même si ce n'est pas un frère, je ne souhaite personne de vivre ce que j'ai vécu dans cette route. C'est dans la bouche, c'est facile à expliquer. Mais à la réalité, si tu vois devant tes yeux, il y a certaines choses que la bouche ne peut pas dire. Parce que c'est très fort. Tu sais, il y a des êtres humains. Entre les êtres humains, il y a certains qui te maltraitent d'autres manières, comme si toi, tu n'as jamais été un être humain. Mais tu sais, par exemple, vers ici, moi, je n'ai jamais vu. Parce que depuis que moi je suis rentré, personne ne m'a levé une main. Mais avant, c'est ce qui me réveillait, ou ce que tu vas recevoir avant de manger l'après-midi, ou avant de te coucher. Vous savez, l'esprit pense ce que tu ne veux pas. Parce que moi je ne veux pas repenser de ce que je veux.
Je voudrais vivre une nouvelle vie, oublier ce que j'ai fait passer. Mais bon, la conscience se retourne toujours derrière, frère. Ce n'est pas mon choix. J'étais obligé. C'est dans ma culture, moi. Le premier fils est toujours le responsable après le père. Moi aussi, j'aimerais gagner un frère, une sœur qui peut me donner, même si c'est des petits conseils. Ibrahima, ne passe pas vers là-bas, retourne vers l'autre côté. Mais moi, personne. J'étais seul avec mes idées. Si j'ai besoin de conseils, il faudra que je file un coup de fil avec ma mère. C'était trop dur. Mais bon, c'est déjà passé. Actuellement, je vis autre vie, ce que je n'ai jamais vu. Je suis en Espagne, ça fait 27 mois, 2 ans, 3 mois. Personne ne m'a insulté. Personne ne m'a levé une main. Vraiment, je suis content. J'aimerais chacun de nous se faire ça dans leur pays encore, comme chez nous, en Afrique. Ils te frappent parce que tu n'as pas de force. Ils t'insultent parce que tu n'as pas de défense. Mais ici, tout le monde est égaux. Chez nous, ils nous frappent. Ils t'insultent. Même ton père, tu ne peux pas l'expliquer quelqu'un t'a insulté parce que ton père ne fait rien faire sauf la douleur que tu vas lui faire passer. Alors tu gardes pour toi seul au lieu de mettre ton père dans ton problème. Tu essaies de rejoindre autre chose, d'oublier ceux qui sont mal parce que ne regarde pas les gens comme ils sont. Il faut te regarder comment tu es. Ne te comporte pas comme les autres. Comporte comme tu es. Tu sais, ça va être la culture différente. Mais moi, je pense l'être humain, tout le monde est égaux. La manière que je respire, tout le monde respire comme ça. Il n'y a pas de différence. Mais chez nous aussi, beaucoup. Je souhaite personne de vivre ce que j'ai vécu, frère. Je prie ça à Dieu toujours. Arratsaldeon, Ibrahima. Nire galdera hauxe da. Bon, je voudrais, Ibrahima, vous souhaiter la bienvenue, tout d'abord. Bueno, nik uste dut honetan utziko dugu iruditzen bazaizu. Bon, je crois que peut-être nous pouvons nous arrêter là. Merci. Bon, je ne sais pas, on va peut-être vous passer la parole. Vous avez une question? Oui, ça va? Oui. Je ne sais pas, ma question est peut-être indiscrète, mais je voudrais savoir un petit peu plus sur sa famille, Ibrahima, parce que vous avez dit, Ibrahima, que la famille, c'est ce qui est le plus important. Et je voudrais savoir comment est votre mère, comment sont vos frères et sœurs, est-ce que vous avez pu les aider? Et êtes-vous en contact avec eux? Et vous avez la possibilité de leur parler? Voilà, c'est ma question. Oui, tout à fait normal. Je parle avec ma famille. Avant, on était 4. 2 filles, 2 garçons.
J'ai perdu mon petit frère à Libye. Je n'avais aucun courage de retourner chez moi parce que je sais ce qui m'attend. Mais malgré tout ça, je voudrais toujours garder ma famille. Avant, mes petites sœurs et ma mère se vivaient dans mon village natal à Kankalabé. Là-bas, il n'y a pas d'études. Il n'y a pas de l'hôpital. Vous savez, actuellement, ils sont en labé. Je le fais le mieux ce que je pourrai faire pour les inscrire dans une école pour essayer de savoir, même s'ils ont passé leur âge à rentrer à l'école. Moi, je voulais simplement qu'elle puisse savoir comment la vie est en train de tourner pour essayer de changer un peu leur mentalité et leur sensibilisation. Parce que vous savez, les gens qui vivent dans le village chez nous, avec les gens qui vivent dans le petit capital ou dans le grand capital, il y a beaucoup de différences. Pour nous, surtout quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Avant moi, je ne savais pas l'importance de l'étude. C'est ici que j'ai compris. Durant ces 27 mois que j'ai passé chez vous, j'ai connu l'importance de l'étude, lire et écrire. Je voudrais eux encore plus savoir cette importance. Je sais un jour ils vont rencontrer un mari, ils vont se marier, ils vont former une famille. Mais moi, je voudrais qu'ils vont chercher Jésus toujours cœur avec eux. Je pourrais ce que je fais avec eux. Tout ce que je pourrais faire pour eux, je vais le faire. Parce que moi, je n'ai personne à demander. Je n'ai personne à demander qu'est-ce que je peux faire pour ma famille. C'est eux qui vont me demander qu'est-ce que je peux faire pour eux. Mais un autre ne peut pas parce que je n'en ai pas. Ni frère, ni soeur, rien du tout. Actuellement, ça reste ma mère et mes deux petites soeurs. Vous savez, mais ça va. Ma mère a récupéré son santé actuellement, il vit bien. Je me sens bien. Je me sens très bien, ma soeur. Bueno, ahora en bye. Es que recasco de noi. Un grand merci à toutes et à tous d'être venus. Merci, Ibrahima. Merci, Ahmed, de ce livre, de ce témoignage. Si vous n'avez pas lu le livre, allez, je vous encourage à le faire. Merci. Liburuak sinatzen arituko dira liburu dendazen, Azkuna zentroko liburu dendan. Irteera modu seguru eta ordenatuan egiteko, egon zeuen eserlekuetan, eta bete itzazue aretoko langileen jarraibideak, amaierako lerroetatik hasi eta segurtasun distantzia utziz. Eskerrik asko. Muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado del encuentro. A continuación, los y las